Alors, Abdou, bienvenue à Mayence. Nous sommes très contents de te présenter aujourd'hui. Et la même question, chaque fois, chaque nouveau joueur, pourquoi Mayence et pourquoi pas un autre club de la Bundesliga peut-être plus grand? Bah, c'est toujours la même chose. Il y a des sollicitations, mais il faut faire des choix. J'ai pu rencontrer le coach, le directeur sportif, qui m'ont fait une très bonne impression. J'ai le contact avec Jean-Philippe Djebama, j'ai eu Gaëtan Bussmann, donc j'ai eu que des bons échos du club. Et je pense que c'est un club qui peut me correspondre, donc j'ai pris la décision de m'engager avec Mayence. Une bonne décision, ouais, je crois. Parler avec Gaëtan et Jean-Philippe, qu'est-ce que tu sais déjà de Mayence, de l'atmosphère, du club, de la cité? Alors j'ai pu les voir déjà en Europa League, surtout. Parce qu'ils ont joué contre des clubs contre qui j'avais déjà joué. Et on m'a dit que c'était une ville assez tranquille, où les gens sont accueillants. Ouais. On m'a parlé du club comme une petite famille. Donc c'est totalement ce que je recherche et ce qui me correspond. Donc même au niveau de l'atmosphère et de l'ambiance, j'ai eu que du positif. Okay. C'est l'atmosphère que tu aimes? Bien sûr. Ouais. Je pense que quand les gens sont bons, qu'ils travaillent ensemble, peut avoir la réussite au bout, donc c'est ce que je recherche. Ouais. Mm-hmm. Les buts, ouais, ouais. Personnel et avec l'équipe, ouais. Oui, bah, mes objectifs personnels, c'est de toujours progresser, parce que je suis un jeune joueur. Je suis venu chercher plus de temps de jeu, plus de progression, beaucoup de travail, une super ligue, un bon club. Donc ça, c'est le but premier, de m'améliorer en tant qu'homme et en tant que footballeur. Et ensuite, je suis compétiteur, donc okay, c'est gagner le maximum. Et aller le plus haut possible, je ne me mets pas de limite. Et finalement, qu'est-ce que sont tes forts? C'est correct, tes forts? Comment tu describes toi-même? Bah, déjà, la jeunesse, je pense que c'est un bel atout. Ensuite, je pars du principe que le foot, c'est surtout la tête. Donc je pense qu'avoir une bonne mentalité, c'est primordial. Donc je dirais que c'est ça mon plus gros point fort, parce qu'après, le reste suit. Merci beaucoup et une bonne good time in Mainz. Viel Spaß in Mainz. Danke. Danke, jawohl.